Bien bonsoir tout le monde, c'est Technis, on se retrouve pour une petite vidéo. Attendez, il y a mon père qui monte. Deux secondes, mon père arrive parce qu'il fait visiter la maison à ma soeur. Appel vidéo. J'ai un peu chaud, ça se voit un peu à ma gueule quand même. Il fait super chaud dans ma chambre, je sais pas pourquoi. 3D. Bon, on reprend pas. Ouais, petit débriefing, petite vidéo pour l'urbex qu'on a fait avec les frères Bubrijo Dog, donc du coup que vous allez voir maintenant tout de suite. Il dit même pas bonjour. Bonjour à tous, excusez-moi. Du coup, on va faire le petit débriefing comme prévu. Et on va vous expliquer comment ça s'est passé. La vidéo va durer 2, 3, 4 minutes. Grand max, grand tu max, penses toi ouais, aussi max. Ouais, grand max. 5 minutes. Et du coup, je vais laisser Brian dire son ressenti de la vidéo et après, ça sera mon tour. Alors, une belle bâtisse, une belle maison. Franchement, une maison assez bourgeoise, assez grande. De toute façon, vous avez pu voir dans la vidéo. Franchement, une ambiance assez creepy, enfantin, c'est vraiment une ambiance pas détendue, on n'est pas à l'aise, on se sent pas, enfin pour moi je me sentais pas à l'aise. C'était cette ambiance là assez creepy, enfantin, et le pire c'est que voilà, il y a eu un chat décédé en bas, comme s'il a été fracassé, tabassé et tué. Voilà, du coup on s'est dit, bon, c'était la dernière chose qu'on visitait dans la maison, et en gros on a eu petite frayeur limite, donc voilà. Et dans la vidéo, à un moment donné, il prend un objet, parce qu'on s'est dit, on a vu ça, on s'est dit, oula, on va peut-être prendre quelque chose pour se défendre. Et chose qu'on n'aurait pas dû, parce que la fin, j'explique maintenant. À la fin, non, tu dis pas maintenant, mais c'est vrai que pour revenir sur la chose, j'ai dû prendre un objet parce que on a vu le chat qui était totalement déboîté. On s'est dit, il y a sans doute quelqu'un dans la maison, quoi, en fait. Du coup, j'ai dit, bon, je vais prendre un truc par terre. Normalement, je l'ai caché dans la vidéo, on va le voir à un moment, peut-être que quand je le récupère, mais c'est tout. Et j'ai pris ça au cas où, parce que si on croisait quelque chose, bah, ça pouvait quand même dissuader le quelconque chose ou personne qu'on allait croiser. Donc on sait jamais, je me suis dit, on sait jamais. Je peux prendre ça pour me sécuriser le plus possible, et puis voilà, on est sûr de rien, on est sûr de rien, surtout qu'on n'avait pas de renseignements sur le lieu, on savait juste où il se situait. Et voilà, donc du coup on est allé tête baissée et on n'aurait pas dû, parce que à la fin il s'est passé que... Ah bon, on le dit maintenant, hein. Ouais. Il y a eu les policiers, hein. C'était le policier, ça, c'était pas les gendarmes. C'était la police municipale. Alors, je tiens juste à dire, c'est que si jamais vous avez la possibilité de partir, ne le faites pas. Faites-le dans les règles. Voilà, vous êtes pris. Nous, on a été pris. Tout s'est très bien passé. On a dit bonjour, on a tout expliqué, etc. On leur a expliqué qu'on a les preuves, on n'est pas là pour casser, etc. On est juste là pour faire une vidéo, tout simplement. Et il faut expliquer les choses, il faut pas être agressif. Faut pas, même si, voilà, envers les forces de l'ordre, ils sont assez agressifs ou quoi que ce soit, il faut toujours rester sain. Faut être honnête, faut être honnête avec eux. Faut pas trop en dire non plus, ça. Mais faut être honnête. Vous êtes en tort, parce que vous n'avez rien à dire, vous êtes dans une propriété privée. Donc voilà, on leur a expliqué, ils ont très bien compris, parce qu'ils savaient qu'on n'était pas là pour dégrader, parce que de toute façon on a la preuve. Mais très cool, ils nous ont très bien compris. Après bon, ils savent que c'est une maison qui est abandonnée à côté d'un collège, donc il y a eu beaucoup de passages. Donc ils se doutent que voilà, ce soit pas nous qui l'ont cassé. Ouais, vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, il y a tout qui est cassé, donc c'est sûr c'est pas nous qui avons fait ça, et on a la preuve de la vidéo. Certes, la vidéo de mon côté commence au début quand on rentre dans la maison, mais on voit pas ce qu'on fait avant, mais avant on essaie de rentrer, de voir par où on pouvait rentrer, et c'était un peu chaud pour rentrer, franchement c'est un peu compliqué, il y a un grillage qui est tordu. Faut mettre le pied sur le bout du grillage pour essayer de sauter ensuite vers la fenêtre en question. Et pour rentrer, c'est un peu la merde. Parce qu'ensuite, il y a des ronces tout en bas. Et en gros, si tu tombes, t'es dans la merde. Où en venir ensuite, on peut dire que pour conclure la chose, en fait, on vous conseille de prévoir et de prévenir. De faire quand vous faites des choses comme ça. C'est-à-dire, faut voir seulement soit avec la mairie, soit avec le proprio des lieux. Faut se renseigner, en fait, avant de faire ce qu'on a fait. Nous, on s'est pas renseigné. On a rien fait du tout. On a fait ça à l'arrache. On a vu ça. Parce oui, on s'est fait avoir bêtement. Je me suis dit qu'il y avait une fenêtre juste à côté avec de la lumière, mais j'étais persuadé que, putain, on va se faire remarquer, mais évidemment. On s'est fait remarquer, et vous avez sans doute vu dans la vidéo, je dis attention, au tout début, je dis attention, vous approchez pas trop des vitres, parce qu'on a les lumières et tout sur le front, et effectivement, on nous a vu dedans. Je pense à cause des lumières, c'est une personne qui est passée. Dans la vidéo, vous allez entendre, si vous montez le son au moment, et bien on entend une femme dire ils sont là, machin, ils sont là dedans.
Ça, c'est pas cool, mais bon, c'est tout à fait normal. Elle a dû s'inquiéter, elle a dû penser qu'on était des cambrioleurs ou des casseurs, des choses comme ça. Du coup, c'est tout à fait normal. Je comprends tout à fait sa réaction. On aurait réagi pareil si on connaissait le quartier. Et, ils ont une bonne réaction parce qu'on sait jamais, même si voilà, nous on est pas comme ça, on sait jamais des gens qui sont. On sait jamais. On ne peut rien prévoir à l'avance, que ce soit pour nous, pour les policiers, ils peuvent pas prévoir qui c'est, ils peuvent pas savoir qui c'est. Pareil pour les personnes, s'ils voient des lumières à l'intérieur, ils peuvent pas savoir si c'est une maison habitée, si c'est une maison pas désaffectée, etc. Nous, c'était une maison désaffectée, et à la fin, ils ont quand même demandé des renseignements. On est resté avec eux un petit moment, ils ont appelé leur QG, et le QG a vérifié si la maison était habitée, si elle était abandonnée depuis longtemps, s'il y avait encore un propriétaire, etc., etc. Et la maison apparemment était vraiment plus du tout sous aucun nom, en fait. Elle est vraiment déshabitée depuis très très longtemps, et puis on a eu de la chance. Parce que si la maison était habitée, on aurait été dans le caca, dans le pétrin. Parce que on aurait pu encourir une amende ou une chose comme ça. Là, ils ont juste récupéré notre carte d'identité et nos numéros de téléphone. Voilà, c'est tout. On a eu une chance. Après, bon, au niveau des procédures, ils nous emmèneront pas au poste parce qu'on a déjà des preuves. Alors, ils peuvent nous le faire parce que. Ils peuvent le faire, mais on a des preuves comme quoi on a rien vandalisé, etc. Donc, c'était déjà c'est ouvert. Ça. Donc, après, certes, on n'a pas le droit, mais bon. Mais. Ils prennent le nom, prénom, en fait, ils prennent carrément toute votre identité, etc. Juste pour prévenir un propriétaire, et puis si le propriétaire veut vous faire chier, bah, il vous fera chier, mais sinon, s'il est cool, ça s'arrêtera là. Bah, ça passe, s'il est cool, ça passe. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire, on vous a tout dit, et puis pour la fin de la vidéo, je m'excuse pour ma coiffure de merde, et voilà. Bon, vous avez l'habitude, et bon, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Elle a duré un peu plus longtemps qu'on ne le pensait, mais bon, il y aura des cuts, forcément, et ça sera une vidéo originale, vu qu'il y aura nos deux caméras. Exact. Sur ce, moi, je vous dis, pensez à vous, faites attention, ne refaites pas ça, sauf si vous êtes équipé, etc., mais bon. Vu qu'on est des gens raisonnables, on va dire, ne le refaites pas, c'est très dangereux, c'est périlleux. C'est débile. Si les personnes du lieu ne sont pas au courant, c'est très périlleux pour vous. Vous pouvez vraiment prendre cher, en fait, vu que c'est illégal. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. J'ai ce mot pour la fin à Brian. Merci de nous suivre et on vous prépare les lots parce qu'on a fini un déménagement. Mais on a une maison, voilà, on a une maison. On pourra faire du. Chut. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.